précédemment, on a appris de cette période où tout s'est arrêté et donc comment il fallait redémarrer, voir comment il fallait continuer. Donc forcément de cette période, pour moi c'est un grand coup d'accélération, un grand coup d'accélérateur dans plein de domaines. Dans la façon de vivre, dans la façon de vivre au quotidien, c'est-à-dire que quelque part, ce n'est pas une intrusion, mais de pouvoir accéder à des outils qui nous permettent de travailler, d'étudier, de lire, de faire d'avoir des contacts avec un peu tout le monde sans être obligé de se déplacer, c'est pas mal. C'est pas mal sur un plan écologique, c'est pas mal sur un plan personnel. Et en matière de productivité, il a été constaté qu'il n'y a pas eu de souci. Ça a très bien fonctionné sur cette période-là et il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas mieux demain. Donc c'est vrai que pour moi, c'est après-Covid, ça va être cet élan sur un plan économique, c'est-à-dire je vais travailler autrement, l'économie va s'organiser autrement, il faut qu'elle s'organise autrement. La vie de chez moi va s'organiser autrement. La vie dans le bureau, au bureau va s'organiser autrement. Pourquoi avoir des millions de mètres carrés de bureaux si ils doivent rester en partie vides? Donc peut-être moins de bureaux, moins de transport à s'infliger, une bonne rentabilité en même temps escomptée au rendez-vous. Moi, je pense que ça va nous... La construction... Le mode de la construction va changer aussi, c'est-à-dire qu'il faut prévoir aujourd'hui, ce début du XXIe siècle, les constructions qui permettent à nos collaborateurs de pouvoir rester chez eux, d'avoir un espace pour s'isoler s'ils veulent faire une conférence depuis chez eux, sans forcément avoir toujours le chat qui passe sur le bureau ou les enfants qui viennent tirer sur le bras. Mais vous voyez, ça va avoir des conséquences énormes sur tous ces plans-là. Donc, j'ai vu énormément de start-up se monter pour venir en aide, pour continuer ce qui ne pouvait plus se faire en présentiel. Donc, par exemple, des salons, des colloques, des relations, des réunions d'équipe, où ce sont des prestataires externes qui se sont proposés auprès de certaines entreprises qui n'avaient pas les moyens ou la connaissance nécessaire pour le faire. Donc, des nouveaux métiers qui sont déjà nés là, qui viennent naître, et il y en a plein d'autres qui vont naître suite à cela.